Bonjour, je suis Maude, bienvenue sur ma chaîne de Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un tuto cadeau de Noël en réalisant des bijoux à partir de la pâte FIMO. Comme vous le savez, la marque FIMO coûte relativement cher. Vous pouvez la trouver à 2€ le petit carré. J'ai donc opté pour l'achat d'un kit de 32 couleurs de pâte polymère trouvé sur Amazon. Surtout si vous êtes intéressé, le lien est bien évidemment dans la description. Pour cela, il vous faut un kit de pâte polymère, des barrettes, des accessoires pour boucles d'oreilles, des accessoires pour travailler la pâte polymère s'il le faut, un rouleau, une spatule et un pistolet de colle chaude. Prenez un morceau de pâte polymère rose et malaxez-le dans votre main. Aidez-vous ensuite du plan de travail et malaxez avec vos deux mains pour former une longue spaghetti. Et faites la même chose avec deux autres couleurs différentes. Rassemblez ensemble la spaghetti d'en haut avec celle du milieu, puis posez la troisième dessus. Puis roulez la pâte avec vos mains en enroulant la pâte polymère sur elle-même. Puis travaillez-la sur le plan de travail avec vos deux mains pour former une longue ficelle. Enroulez ensuite votre ficelle sur elle-même pour former la sucette. En enroulant la pâte, pensez à bien serrer. Coupez ensuite la pâte avec la spatule. Terminez ensuite votre sucette en plantant à pic, puis coupez-le. Pour les boucles d'oreilles dégradées, c'est le même procédé. On torsade d'entre elles trois ficelles de couleur. On replie ensuite la ficelle sur elle-même et on la torsade à nouveau. Repliez-la sur elle-même pour que ce soit plus simple de former une boule. Puis malaxez-la sur votre plan de travail, jusqu'à obtenir une boule. Utilisez ensuite un rouleau à pâtisserie, puis étalez la pâte. Vous voyez enfin le dégradé apparaître. J'ai ensuite utilisé des accessoires de découpe de pâtisserie pour réaliser différentes formes de boucles d'oreilles pour enfants. J'ai pu réaliser plein de boucles d'oreilles différentes, des formes rondes, des formes de fleurs, des formes d'étoiles. Ensuite, avec la pâte qui me restait, j'ai fait des petites boules. On peut faire une version aplatie en appuyant les boules avec le rouleau. On obtient ainsi des boucles d'oreilles ovales et plates. On réalise 4 spaghettis de différentes couleurs, puis on les assemble et on les colle ensemble. Puis on découpe la bande en deux. Et on donne un arrondi à la bande pour former l'arc-en-ciel. Ensuite, à l'aide d'un couteau, on coupe les extrémités pour que ce soit bien net. On fait de même avec le deuxième. Réalisez une petite boule blanche, puis aplatissez-la légèrement. Réalisez ensuite une première spaghetti violette, puis positionnez-la sur la petite boule. Puis repliez un petit peu le haut de la spaghetti et le bas pour former le premier cheveu. Faites ensuite le deuxième cheveu de la licorne avec le rose, puis positionnez-le au-dessus du violet. Il faut que la deuxième spaghetti soit un petit peu plus courte. N'hésitez pas à couper avec des ciseaux. On rajoute encore un cheveu, cette fois-ci en rose fluo, puis on découpe trois petits triangles pour faire la corne de la licorne. Préparez vos petites réalisations en pâte FIMO sur une plaque recouverte d'une feuille d'aluminium. Puis enfournez 15 minutes environ à 100-110 degrés, pour ma part en chaleur tournante. Faites chauffer la colle chaude une minute à peine et préparez tous vos accessoires. Déposez ensuite un point de colle sur la barrette. Puis déposez votre création dessus. Pensez à bien appuyer votre création sur la barrette pour que cela tienne. Pour ma part, j'ai laissé sécher toute une nuit entière pour être sûre que ça ne se décolle pas. Retirez ensuite les filaments de colle qui sont en surplus et qui font pas joli. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner pour suivre les prochains tutos. Et surtout, partagez en commentaire vos astuces et vos conseils pour créer des bijoux en pâte FIMO. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.